Ce matin, mon collègue Alain David et moi, nous avons rendu notre rapport devant la Commission des Affaires étrangères, un rapport qui portait sur l'influence et l'impact des changements climatiques sur les conflits dans le monde et la situation géopolitique. J'ai été ravi de pouvoir associer à ce rapport, dès l'origine, puisque c'était il y a plus de 2 ans maintenant, un groupe de citoyens de ma circonscription qui ont fait un travail remarquable, un travail qui est venu nous aider, un travail qui a donné de l'audience à ce que nous faisons ici, cette maison. Cette maison, c'est aussi la maison de mes citoyens. Ils n'y sont pas, ils n'y travaillent pas, mais il faut qu'elle soit accessible, il faut qu'ils puissent voir ce qui s'y passe, qu'ils puissent y participer. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai fait cette expérience qui m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup aimé le rapport qu'ils ont rendu, qui a été joint, annexé au rapport des parlementaires. Ce rapport, nous l'avions appuyé sur une mission au Bangladesh, dont j'ai parlé ce matin, une mission au Bangladesh qui, comme nous le faisons souvent dans la Commission des Affaires étrangères, nous a permis aussi de voir d'autres sujets, des sujets qui sont des sujets récurrents, sur la diplomatie d'influence, sur le camp de Cox's Bazar, le camp de réfugiés Rohingyas. Je suis allé visiter la station des eaux qui est gérée par une entreprise française et nous avons été très fiers de l'accueil que nos collègues ont réservé à ces réflexions et des perspectives qui s'ouvrent maintenant devant la Commission des Affaires étrangères pour faire le suivi de ce rapport. Nous avons préconisé dans ce rapport une vingtaine de solutions que nous envisageons sur le plan militaire, sur le plan politique également. C'est un rapport très intéressant qui nous a permis, je l'espère, de porter à connaissance les difficultés que nous rencontrerons, aujourd'hui, mais que nous rencontrerons de plus en plus si nous ne prenons pas un certain nombre de dispositions.